On est gentil. On pense à vous. Ce qu'on va faire, on va s'amuser à faire du doublage. Nous, on l'a baptisé ici LTI Dubbing Studio. Okay. Le studio de doublage de la télé d'ici. Et c'est un exercice un peu difficile. On dirait que c'est un casting qui est venu faire cette émission. Ouais, je pense. Parfois, ça ressemble à ça aussi. Non, ce qu'on va faire... Non, mais là, ce qu'on va faire... Non, là, ce qu'on va faire pour de vrai, on va vous faire doubler quelque chose. Mais c'est pas un film, c'est plutôt un dessin animé. D'accord. Plutôt connu, c'est Aya de Yopougon. C'est un vrai challenge, parce que Beugredi a pas cette voix assez lourde et tout. Oh, lui demander de... Beugredi. Ce que tu vas faire, tu vas faire le papa de Aya. D'accord. Ça te va? Ben, tout me va. Toi, tu vas faire Aya. Tu as senti le beau thème, là. OK. En rouge, alors, ce qui va apparaître tout à l'heure. Donc, moi, je vais me déplacer, je vais m'éclipser. Je vous invite, là, venez déjà. Donc, Beugré va se mettre de ce côté-ci. Ça va, ouais, tu peux. Tu, bah, non, ça va. Oui, ça va. Allez, rapproche-toi, n'aie pas peur de moi. Allez, rapproche-toi. Arthur, tu viens. Attention à la marche. OK. Et donc, vous allez... tu peux descendre, tu peux descendre. D'accord. Hein. On va regarder cet écran-ci. Et on va faire donc apparaître une séquence de Aya de Yopougon avec du texte. Je pense que le texte en rouge, c'est la partition du père, les lignes. Oui. Et blanc, c'est Aya. D'accord. Okay. Donc Aya Arthur et Moussa Jeff. D'accord. C'est à vous de jouer. LTI Dubbing Studio. Le rouge, c'est Aya. Ça tombe bien. Il faut qu'on discute, papa. On dit rouge. Je suis perdu. On dit rouge. C'est au sujet de mes études, papa. Je veux être médecin. Hein? Médecin? C'est pas... Aya, vraiment, tu n'as pas pitié de ton pauvre père. Et puis d'abord, pourquoi faire? Mais soigner les gens, papa. Ce serait très bien si tu allais déjà jusqu'au bac, hein? Et si après le bac, je veux continuer? Aïe, 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 tu me fatigues! Pourquoi tu es toujours en train de me désobéir? Les longues études coûtent cher et en plus, elles sont faites pour les hommes. Tu trouveras un mari qui s'occupera de toi. Papa! D'ailleurs, on est invité chez mon patron, je veux que tu vois son fils. Un bon jeune petit garçon avec qui il va falloir te lier d'amitié. Alors, le rouge, c'est Aya. Ouais. Blanc, c'est le père. Mais là, j'ai véritable problème. Oui. C'est-à-dire que c'est tellement rapide. Oui. Et puis, en temps normal, la table synchrone... On est censé ne pas avoir de, on est censé ne pas avoir de son sur cette vidéo. Ouais, la table synchrone, donc faut ramener maintenant la vidéo et on lit comme ça. Défile, c'est comme une déroulante. C'est ça. Elle quitte là-bas, elle vient et on lit. Ouais. Au fur et à mesure. Là, ça va tellement vite. Ah oui, là ça va, ça va vite. Avec du dos. Ça va vite. On va essayer. On va essayer. En plus avec les yeux que j'ai maintenant. Ok, donc la vidéo sans le son et avec du texte. Donc rouge c'est moi, blanc c'est toi. On y va. Tu veux. Faut que je vois un peu. Oui, vas-y. Papa, papa, tu es là? Ça se voit pas, non, Aya? Ça tombe bien, il faut qu'on discute. Je mange là, ça pique tellement, je ne peux pas parler. C'est au sujet de mes études, papa, je veux être médecin. Médecin, Aya, vraiment, tu n'as pas pitié de ton pauvre père? Et puis, d'abord, pourquoi faire? Mais soigner les gens, papa. Ce serait très bien si tu allais jusqu'au bac. Et si après, je veux continuer? Aya, tu me fatigues. Pourquoi tu es toujours en train de me désobéir comme ça? Le langue est-il coûte cher et puis en plus, tu trouveras un mari. Papa! Oh, d'ailleurs, on est invité chez mon patron. Je veux que tu sois avec son fils. Un bon, gentil garçon avec qui il va falloir te lier d'amitié. Ah! Bravo! Merci. C'est bon, là, vous avez tout entendu, là, c'est bon? Ouais, c'était le LTI Dubbing Studio avec Beugre Moussa et Arthur Aya.